Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici, quand? Mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais je rêve ou quoi, quand? Putain, mais c'est pas possible, elle est passée où la mère? C'est un truc de malade, attends. Mon téléphone, putain, c'est pas vrai. La mère. Patrick, on est dans la merde. Allô Patrick, c'est Nico. Nico. T'es réveillé? Mais non, j'enfile des perles. Nico, à ce moment-là, tu me connais assez. Mon petit déjeuner, c'est un instant privilégié. La tartine bien croustillante, le beurre, le café bien chaud. Nico! Mais je m'en fous que t'aies une tartine. Lâche-la ta tartine, je vais te dire un truc qui va te la faire tomber, la tartine. La mère a disparu, Patrick. T'es rassure-moi, là. Je prends pas des produits en ce moment. T'inquiète pas, je vais pas le dire à tes parents, hein. Arrête tes conneries, je te dis que la mère a disparu! Nico, si je suis à Argelès-sur-Mer, c'est bien parce qu'il y a une chose immuable ici. La mer, elle bouge pas. Pas comme à la montagne, la neige. 3 semaines de retard, 15 jours d'avance, je sais pas sur quel pied lancer. Mais tu te rends pas compte, putain, la mer a disparu. Alors tu te lèves et tu vas regarder par la fenêtre. Nico, tu sais que ça va me demander un effort surhumain de me lever pendant le petit déjeuner pour aller voir si la mer, elle est toujours là. Allez, lève ton cul et jette un oeil par la fenêtre. Tu vois que je te l'avais dit, hein? Tu me croyais pas. Non mais donc je sais que tu m'as dit qu'il y a plus la mer, il y a plus la mer. Mais il y a plus la mer là, c'est une évidence, elle est plus là la mer. Tu t'as elle est plus là la mer. Maintenant quoi, hein? Qu'est-ce qu'on va devenir là? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Bon, écoute, là il y a une réunion de crise. Prenez-moi tout le monde et rendez-vous chez Karine. Je les appelle et j'arrive, je passe te chercher là, allez. Il y a plus la mer, Nico. Nico, il y a plus la mer. Tiens, il y en a deux qui arrivent de la plage. Tiens, hey, tiens, un truc de fou, demande. Argelès, il n'y a plus. Il n'y a plus la mer. Chichi, il n'y a plus la mer. Je te dis que Chichi, depuis ce matin. Il n'y a plus la mer, il n'y a plus rien. Il reste que du sable, Chichi. Il n'y a plus du sable, Chichi. On a couru dans tous les sens, il n'y a plus. Elle se volatilise pas comme ça, la mer. Il n'y a plus la mer. Elle ne s'évapore pas comme ça, la mer. Il n'y a que du sable. On est allé en long, en large, en travers, il n'y a que du sable, Chichi. Il n'y a plus. Un truc de malade. Touche mon cœur. Un truc de fou. Il n'y a plus la mer, il n'y a plus rien. Mais comment? Il n'y a plus, je sais pas. Je ne sais pas, regarde. On en parle encore hier soir. Les Martiens sont venus, hop, ils nous ont pris la mer. C'est pas possible. Pourquoi non? Il n'y a plus la mer, ils ont besoin de la mer. Et les Japonais, la centrale nucléaire. Ils nous prennent toute l'eau, hop, ils s'en servent pour eux. Pourquoi pas? Il n'y a plus la mer, Chichi. Il n'y a plus la mer. Patrick, relève-toi. Il n'y a plus la mer, Patrick. Il n'y a plus la mer. On va la retrouver, la mer. T'inquiète pas. Allez, la soirée. S'il n'y a plus la mer demain, c'est mieux la mer. Ce sera mieux. Assieds-le. Patrick, ne te mets pas dans ces états. On a trouvé une solution. Nos commerces, tout, notre vie, on les argelés, sont dit pour la mer. Mais la mer, elle se volatilise pas comme ça, la mer. Elle s'évapore pas comme ça. Il y a un coup de Trafalgar. Regardez dans quel état ça le met, quoi. Patrick, on trouvera une solution. On va retrouver la mer. T'inquiète, la mer. On va la trouver, on trouvera des solutions. Tu vas cambrioler Lidl, tu vas piquer toutes les bouteilles d'eau, tu vas remplir la mer, mec. On va dépasser les déferlantes, on fera des concerts là-bas. Sur la plage, ça peut être fantastique d'organiser les concerts là-bas. Par contre, si toutefois il n'y a plus la mer à Argelès, il va falloir s'y préparer, il va falloir anticiper, hein. Se reconvertir, hein, parce que nos business sont liés à la mer. Et alors qu'est-ce qu'on fait, une aire de camping-car? On a qu'à faire les déferlantes là. Il n'y a plus la mer, monsieur le touriste, elle a disparu. Elle n'y est plus. Terminé, plus la mer. Dans la nuit, elle a disparu, la mer. Mais alors, il n'y a plus la mer à Argelès. Il ne faut pas rester ici. Et comment ça, vous ne pouvez pas rester ici? Bien sûr, vous allez rester. Non, on va vous faire. Je suis là pour la mer, ça c'est... Elle va revenir. C'est un coup de Moïse, ça. Je le sens bien que c'est un coup de Moïse. Ici, il y a toujours des coups de quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Non, la mer va revenir. Mais si tout le monde parle comme ça, mais on est mal. Nos business, vous êtes d'accord? Ils ne valent plus rien.
On va trouver une solution. Avant d'aller voir le maire, il faut quand même anticiper et s'y préparer. Les gens, ils viennent à Argelès pour la mer. Voilà, pas pour le sable. Il faut la mer. Il faut la mer. Il faut voir le maire. Il faut déjà aller voir la mer. Il faut du poisson. Il doit nous trouver la mer. Eh bien, quelque part, la mer. Moi, je dis le maire direct. Salut les gars, t'as quoi? Ah bah tiens, Jabba, tu tombes bien. Ah, ouais, on boit beaucoup et je vous amène à la pêche. Il sait pas la mer. À la pêche. À la pêche. Au calamar. Au calamar. Il y en a plein le village, des calamars. Il n'y a plus la mer. Il n'y a plus la mer. Vous buvez, là. À la mer, il n'y a plus la mer. Il n'y a plus la mer, c'est fini. En long, en large, en travers, il n'y a plus la mer. Il n'y a pas de mer en Méditerranée. Plus rien, elle a disparu. Ils sont allés voir et ils ont vu que la mer, il n'y a plus la mer. Oui, t'es plein. Moi, je regarde les webcams là de suite. Regarde la webcam. Tu vas voir la webcam, c'est le désert. On a toujours manqué de place de stationnement sur Argelès. Un immense parking. Attends, moi, et mon bateau là, comment je vais faire? Attends, je vais voir mon bateau. Ton bateau, il fera comme les autres bateaux, ils resteront sur le sable. Alors, comme on a du vent, on peut faire d'énormes compétitions. Je vais voir le bateau, les gars, je reviens. Char à voile. Jamba, on se voit plus tard. Tu vas prendre peur. Elle est bien quelque part, moi. C'est pas parce qu'il y a de la massane qu'on arrivera à remettre de l'eau. Eh, les gens, tu te rends compte, c'est exceptionnel. La mer a disparu à Argelès. Les premières années, on va se faire l'argent. Ah oui, les premières années. Mais comment on fait? Mais on n'a rien à faire. Ils viendront pour voir que la mer n'est plus là. C'est bien bon. Et nous, on leur vendra à manger, on leur vendra à boire, on leur vendra plus de maillots de bain, par contre. Hein, ça, c'est clair. Le maire doit avoir des données, il doit avoir des explications. Il n'y a que lui qui peut nous répondre. Karine a raison. Je pense qu'il veut vraiment nous prendre pour des cons. C'est sûr qu'on nous cache quelque chose. Le seul qui peut nous répondre à ces questions, c'est le maire. On ne peut plus attendre, il faut aller voir le maire. Écoute-moi, le maire, c'est simple. Construction, taxation, arnaquation, y'en a marre. On paye pour la mer, on veut la mer. Monsieur le maire, elle est passée où la mer? Dites-nous où elle est passée. Mais comment veux-tu que je fasse sa mer? Comment veux-tu que j'élève mes huîtres? Monsieur le maire, il va falloir que vous nous expliquiez. Elle s'est pas évaporée, cette mer. Est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un terrain supplémentaire, agrandir le domaine? Mais dis-le que tu l'as vendue. Monsieur le maire, elle est où? Elle s'est pas volatilisée. Dites-nous où elle est passée où la mer? Du calme, ça suffit. Bon, je ne suis pas Moïse, ni le Christ. La mer a disparu, c'est pas de ma faute. Tu vas pas nous faire Argelès sans la mer. On a investi, nous, sur Argelès. Mes investissements de table ostréicole. Comment veux-tu que je lave mes huîtres sans la mer? Mais dis-moi-le, bonne mère. Dis-moi-le que tu l'as vendue, cette mère. Elle est partie. Il faudra trouver des solutions. Moi, les solutions, ça y est, c'est... Il manque de l'argent, il faut collecter de l'argent. Vous agrandissez votre domaine, vous allez pouvoir rentrer des sous. Des constructions en bordure du littoral. Faire rentrer dans la caillasse un coup de râteau. Qu'est-ce que je te disais, chichi? Eh oui, des taxes d'habitation, des taxes foncières. Alors c'est ça, vous allez vendre des terrains? Je construis pour rentrer de l'argent dans ma commune. Argelès sur mer, sans la mer. Mais monsieur le maire, vous avez été mis en place. Vous êtes le maire d'une station balnéaire. Alors Argelès sur mer, sans la mer. Il faut rentrer des sous, yo. Il faut rentrer dans la caillasse. Oui, voilà, monsieur le maire. Oui, il faut rentrer, taxes d'habitation, taxes foncières. Il faut, à coup de râteau, ramasser les billes. Ah, j'en reviens pas. Et faire rentrer des taxes d'habitation et des taxes foncières. On va embaucher les gens. Et là, on mettra au jour qui tu es, monsieur le maire. Voyez, j'avais raison. On nous prend pour des cons. Et moi, je sais pas vous, mais moi, je vais pas voter pour quelqu'un qui me prend pour un con. Hein. Ça ne se passera certain, pas comme ça, monsieur le maire. Ça ne se passera pas comme ça. Monsieur le maire, vous répondez pas à nos questions. Vous ne prenez pas au sérieux. Nous allons monter notre propre liste. C'est nous qui vous avons élus. Sans nous, vous êtes plus rien, monsieur le maire. C'est ça. On le dira aux gens, on dira tout ce que vous faites. C'est quoi cette histoire d'HLM? On va monter une liste aux gens. Nous aurons les commerçants derrière nous, les associations, les riverains, les notables du village, monsieur le maire. N'oubliez pas. Tu seras surpris. On appellera la presse aussi. C'est votre dernier jour, monsieur le maire. Et nous allons reprendre. Ça a été votre slogan, Argelès la naturelle. Et voyez ce que vous voulez en faire? Et tu crois qu'on va se laisser faire? Non, mais tu plaisantes, mais tu te moques de nous en plus. Allons-nous-en. Il ne mérite plus notre attention, ni nos votes. Tu as raison, c'est ça, ouais. Allez, on y va, il a raison. Et moi, mon vote, tu te le mélanges, je pense. Ça se passera pas comme ça, monsieur le maire. Ça sera pas faire, je te promets, on va pas te lâcher. Profite bien, c'est ton dernier jour, parce qu'à partir de demain, c'est monsieur Pierre l'agace. Mais enfin, ne partez pas, il y a des solutions. On peut cohabiter si vous voulez. Mes votes sont fautes. Est-ce pas possible? M'en palade. Il monte. La mer. Qu'est-ce qui m'arrive, la mer? Elle est là. Mais elle est là. Mais c'est un cauchemar.
putain, mais je rêve. Je rêve encore. Sit on the front of your chair. Place the bongos between your legs. A little below the knees. Tu mets quoi? It shouldn't take much pressure. Ah ouais? Facile de le faire dans le couloir. La cabane du pêcheur, 5, 2, 10, 3. Fais-nous ton clap là. La cabane du pêcheur, 5, 2, 10, 3. Mr. Bongo.